Et salut tout le monde, on se retrouve pour une soirée petite détente sur Metropolis Street Racer. Voilà. On va loader la game, forcément. Et on en était avec la petite 206. Il y avait quoi dans le garage déjà, je me rappelle même plus. 206 sous Toyota. Okay. Ouais, on va essayer avec la 206 normalement, c'est bien. Allez, go! Welcome to Metropolis Street Racer, chapitre 6. Pourquoi chapitre 6? Ah oui, parce que les autres, je les avais débloqués, mais voilà. J'avais débloqué le chapitre 7, 8, mais j'en étais au chapitre 6. Est-ce que j'ai pas des courses à refaire, par exemple? Des courses spéciales là, pour tout débloquer vraiment. Spéciale, elle est faite. Quitte à faire, on va faire. Alors, spéciale. Hop, pendant le chapitre 2. Ah, dans le chapitre 3, il y en a une. On va la faire. Et deux. Qui n'ont pas été faites en plus. Comme vous avez déjà gagné des kudos dans cet état pré-essayé, peut vous faire perdre. Time Nost Restriction, Carnival Restriction, no. Il faut faire 125. Un challenge à donner 105 tours et en 20. Okay. D'accord, une 20 quelques minutes. Vous devez essayer de battre une vitesse moyenne de 100 km/h. Ça devrait être faisable. Kilomètres par heure. On va jouer le Joker en plus. Bon. Ça devrait être faisable étant donné qu'on avait une autre voiture à l'époque. San Francisco, 2h18 du... This week on the Roadhouse, we got a great competition for you to win hundreds of dollars every day by identifying three well-known tunes from their introductions. That's coming up right after the news. De toute façon, 2h18 du matin, on sera dans la nuit. The Jake Richards Band with a great live version of When She Comes Back. Ah oui, la musique. Dis kudos. Après, pas les vite aussi. Hein. On est au-dessus. Ah merde, j'ai réduit en fait, j'aurais dû monter. 105, bah oui, j'aurais dû mettre 105. Je suis con. 106. 106 faisable. 109. Là, 110, c'est peut-être faisable aussi. Ouais, 110, c'est largement faisable. Si j'y pas le pognon, je le fais à 110. Sérène, vous avez mis un adéquat. C'est quoi ce merdier? Pourquoi j'ai pas la sauvegarde automatique? Bah, je pète le record là.
gagne un nouveau Joker. Je passe, forcément, large, et une nouvelle voiture, 306. Ah non. Mais pourquoi j'ai pas la sauvegarde automatique? Il est con le truc. Save game. Si je fais save game. Allez. Ok, j'ai un truc qui a déconné dans ma sauvegarde quoi. Sympa. Alors, il y avait une autre spéciale. Oui, je sais, il faut faire 125, ok. Autant de points que vous le pouvez contre 5 autres voitures en 2 courses. Ok. Soyons fous et en plus on joue le Joker. Ça devrait être faisable. Deux fois premier, ça devrait être faisable. Tokyo, Shinjuku, 7h21 du matin. Forcément, il fait nuit. Cassez-vous, putain, merde. Allez, boum. Coup de frein à main. Lâché trop tôt. Ah putain, mais cassez-vous les gars. Laissez-moi être premier déjà dans un premier temps et laissez-moi gagner des kudos aussi. Merci. Oh putain. Bah oui, c'est quoi la touche pour klaxonner déjà? Merde, c'est pas ça. Moi aussi je peux le klaxonner, tu vois. Bon, après j'ai plus la direction parce que c'est sur la croix multidirectionnelle. Putain, mais cassez-vous. Putain, je vais pas y arriver. Il y a 3 tours, je vais pas y arriver. Allez, boum, ça c'est de ma faute. La meilleure chanson du jeu. Et il y en a une tripotée sur le jeu. Oula. Vraiment un petit peu tendu là. Bien négocié, mais ça a l'air un peu tendu. Hein. Vas-y, casse-toi. C'est bon, les autres sont pas loin devant. Ça se freinage trop tard. Je pensais pouvoir le prendre entre la main, mais comme ils avancent pas vite. Ça va être trop. Allez, cassez-vous. J'ai des kudos à rattraper après. Une fois que je finis premier. Allez, putain, c'est pour moi les pénalités, c'est lui qui me bombe dedans.
pas de négocier. Allez, allez, allez. Bon, heureusement, il reste un tour. Oh, ce drift. Allez, boum. Putain, mais arrête de me pousser, toi. Non, mais sérieux. Les gars, ils savent pas conduire. Là, tu me diras que dans les jeux actuels aussi, c'est pareil. Ils ont encore une trajectoire fixe et démerde-toi avec. Il est où le premier là? Parce que si je finis pas premier là, je suis dans la merde. Objectif number one. Il est là. Il est là le premier. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Faut que je crame, faut que je crame, faut que je crame. Ligne d'arrivée, ça va être short. Allez, casse-toi toi. Ah! Il est juste là! Il est juste là! Il est à 200 mètres! Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire! Faut pas faire le con, faut pas faire le con! Ah putain! Je fais le con! Voilà. C'est raté! Voilà. Putain! Ah, fait chier! Comment faire 14 points en une course, sachant que celle-là c'est la première et que c'est 10 points si on gagne. Bon, on va la refaire hein. Peut-être pas parier le joker pour la refaire, mais on va la refaire. Ah ouais, en plus il flotte. Ah, j'avais pas fait. Ah non, c'est la deuxième qui flotte. Allez, accélère. Accélère. Ouh. C'est trop mal, d'accord. Bon, là, c'est pour le LOL. Enfin, ils savent pas conduire même sous la flotte. Hein. Accélère, ça tient la route. J'avais pas fait gaffe, il pleut sous les ponts. Pas dans les tunnels, mais sous les ponts. Ah oui, j'avais dit que je changeais l'heure aussi pour avoir Tokyo de jour. J'ai pas pensé. Que la radio elle soit pas si forte parce que le but d'MSR c'est quand même de profiter de la radio. Soon. César.
Et allez, putain. Il y a une 406 ou quoi? Attends, moi j'ai qu'une 206. Hein. Peut-être pour ça que j'y arrive pas aussi. Ils mettent peut-être en à niveau en fonction de la voiture qu'on a. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure sur le tableau des scores. Et je crois que j'ai vu la 406 grise quoi. Aïe 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 aïe. Ouais, de toute façon tout est mort. Que je le finis ou pas, quelles que soient mes pénalités ou pas. Ah oui, c'est vrai que j'avais modifié les messages. Well, Kay, kudos. Pénalité. Ouais, voilà. Ça fait pas. À refaire. À refaire. Ouais. On va peut-être parier sur 6 points, c'est peut-être faisable. Sans faire le con. Ah oui, 406 copé, oui, c'est bien ce que j'ai vu. J'avais bien vu ça, 406. Forcément, il finit avec 20 points. Et puis, le Joker qui me fout dedans, quoi. Eh, ok. Attends. Je peux changer de bagnole encore. J'ai débloqué la 306. Toyota. Et on reste sur du Francius Challenge Color. J'aime bien le rouge diapo. Aquamarine. Dégueulasse ta couleur. Egyptian Red. Ouais, si tu veux. Je reste sur mon Diablo Red. J'avais laissé le BS, je sais plus. Il me semble que oui. London, 10h34 du soir. Forcément, il fait tout nuit. Regardez dehors chez vous, il fait tout nuit aussi. And entertainment venue, the sports cafe with state-of-the-art audio visual, 120 TV screens, games, bars, and a great restaurant. The sports cafe where the games never end. www.thesportscafe.com. Ouais, pousse. Okay, now I've got a bit of drum and bass for you. This was voted number 4 plus que la 206. Last week. It's New Dawn's Heartland. Allez, départ lancé.
Ça s'entend au son qu'elle pousse plus déjà. Ah! Peut-être moins faire de frein main aussi. Ça, c'est une course un petit peu à l'état pur. Ouais, je fais une en seconde. Ah putain! Si, c'est bon. Ah, il est débloqué. Donc à chaque bagnole, faut les débloquer. Petit challenge. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut les... Oh, tu te plaises partout, hein. Ça se verra même pas. Allez, go. Soyons fous, parions sur 20. Deux victoires. Aïe, putain, ils savent vraiment pas conduire, mais même entre eux ils savent pas conduire quoi. Ah ouais, c'est beaucoup plus. Vas-y, Tricen 6 en cabriolet. Je plaisante pas, c'est du réel. Merde, c'est pas ça. C'était quoi pour changer d'avis déjà? Ah oui, ça. Je plaisante pas, hein. Cabriolet 100%. Aïe. Eh putain, pourquoi je me le bouffe là? Ouais, t'es con, c'est clair. Oh con! Je vais passer par là, mais si tu veux, vas-y. Alors avec la puissance, normalement, je devrais pouvoir rectifier le tir. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Merci. Bien plus. Putain, j'ai cru que j'allais me le bouffer. Je me suis bouffé le mur, j'aurais dû tenter. Mais... Oh là 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 là, je tente le frein main là-dessus. Que des conneries. Faut dire que la conduite est quand même assez difficile étant donné que le jeu se veut réaliste. Pas au point d'un Assetto Corsa forcément, mais ça se rapproche plus d'un Project Car, je pense. Là.
Oui, il y a moyen que je finisse premier. Avec la 306. Encore cette musique. Ah, attendez. Voilà, on change de radio un peu. Putain, mais on n'entend pas assez la radio, hein. Truc de malade. Et là, c'est le reste qu'on n'entend pas assez. Là, c'est mieux. Ça a l'air d'être mieux. Ah putain, le petit morceau de mur là. C'est la dernière course, enfin c'est la dernière tour. Donc, merci de me laisser premier. Hein? Il est juste là, il est juste là. C'est faisable, c'est largement faisable. Voilà. Avec la 306, ça va tout de suite mieux. Et merde. Bon, c'est le dernier tour. On est à la ligne d'arrivée. Les autres, ils sont. Si je me gourde tous pour regarder derrière. Bon, on va le joli cabriolet 306. Ben. Ah, voilà. Une seconde 39 d'avance, ça doit le faire. Ben. Ah oui, c'est vrai qu'il flotte. Démarrage en côte, à chaque fois ça me plombe. Ah, il commence à faire jour en fait. Il fait moins nuit que tout à l'heure. Comme il flotte. Aïe, 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 aïe. Mais c'est la radio. Quand on passe sous un pont ou dans un tunnel, ça... Ça passe moins bien. Ils ont même été jusque là. Aïe. Vraiment poussé ce jeu. Nous sommes sur Dreamcast. Pas d'émulation, la vraie. Elle n'était pas encore assez puissante pour tout calculer en temps réel. Enfin, pas assez puissante. Ils l'ont pas fait en tout cas. Et en même temps, les détails qu'il y a, je pense pas que
que n'importe quelle console puisse le faire. Je suis même pas sûr que sur Xbox ils l'ont fait. Vu que le jeu est sorti sous le nom PGR, Project Gotham Racing, sur Xbox. Première du nom, forcément. Et je suis même pas sûr qu'ils aient mis le temps réel. Au niveau des ombrages. De la position du soleil, forcément. Vu le niveau de détail affiché, je suis pas sûr. Après, la Dreamcast, j'ai dit qu'elle pouvait pas faire du temps réel, mais si elle en fait du temps réel, forcément. Pas sur ce jeu. Mais sur Shenmue, si. Ah putain! Bon, je vais me concentrer. Aïe. Faut que je finisse premier! Troisième tour en plus. Notamment sur le port de Shenmue 2, qu'elle fait du temps réel. Non, je peux pas finir premier là. Merde. Ça fait chier. Mais non, il est où le premier? Il est où? Il a fini la course. Il est juste là. Ah, non, non, il avait fini. Bon, bah voilà, perdu. Perdu. Et les drapeaux sur le port de Shenmue 2. Temps réel. Physique avant physique. Bon, on va mettre 14 hein, pour être sûr. Peut-être pas jouer de Joker. Ah ouais, non, mais la 406, c'est la 2-7, quoi. On va tenter 14. Et deuxième. On tente pas le 20, mais on tente le 16. Avec plein de kudos, forcément, en espérant quitte à les laisser se rentrer dedans. Et forcément, là, au Japon, il commence à faire jour. Du coup, ça va passer en jour progressivement en fonction des courses, forcément. Aïe! Les kudos, ce! Oh! Putain, mais je t'ai dit une autre source de radio! Oui, Jimmy, c'est très bien. Western Pop Show. Il n'y a plus la lecture aléatoire ou quoi? On fait quoi le jeu? J'allais faire un tour après dans le Canoo Audio Simulator. Ah non, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment le placement de produit du jeu. Le jeu nous propose 250 circuits répartis dans 3 villes. Et 3 quartiers des 3 villes se partagent les 250 circuits.
Ce qu'il faut savoir pour le jeu, une cinquantaine de véhicules, tous différents au niveau du maniement, de la puissance. C'est pour ça que ça se rapproche plus d'une simulation que d'un... J'ai bouffé le nom. Que d'un Grand Turismo. Voilà. Il fait par catégorie. Plus le jeu est un petit peu plus quoi que Grand Turismo, je sais pas, ça reste quand même typé simu. Je pense qu'au niveau du maniement, ouais, mis à part les voitures qui ont des comportements totalement différents, au niveau du maniement ça doit se rapprocher dans Grand Turismo. Avec une ribambelle de musique tout aussi bien les unes que les autres, il y en a pour tous les goûts. Ouais, parce que là on retombe sur les mêmes. On retombe sur les mêmes musiques. On va faire un petit tour sur Autoradio Canou. Allez, accélère, 306. Oui, oui, les messages quand on gagne des kudos ou quand on en perd sont réglables. Ne vous choquez pas, c'est pas comme ça à l'origine dans le jeu. C'est, tout est noté en anglais et c'est pas marqué t'es con. Même traduit. On peut personnaliser les plaques d'immatriculation aussi également dans le jeu. Et c'est tout. Le fait qu'elles soient décapotées aussi. Ou pas, si c'est des voitures décapotables. Et c'est peut-être ça qui me plante. Elles sont toutes décapotées. Aïe! Mais non, ils peuvent pas faire ça! Un coup là d'eau! Tarba! La banard, comme on dit chez moi. Ah putain! Mais non. Putain, j'y arrive pas ce soir. Je suis pas dedans. Bon, c'est bon, au Japon, il commence à faire jour, donc on commence à mieux y voir. Aïe, cinquième. Non mais là c'est bon, hein. Les 16 c'est mort. Il aurait fallu au moins que je finisse deuxième pour avoir un espoir. C'est mort. On peut y arriver. Avoir 125 kudos à la fin de la game. Ça verra bien. C'est normal, il pleut. Ah! Je me disais aussi. Ouh, c'est joli le bum. Hi.
Ben, ça donne quoi si je m'énerve un peu? Pas grand chose. Hein? Okay. Ben, ils sont tous tous en troupe. Groupir! Restez groupir! Laissez-moi passer. Merci. Même si je peux pas avoir les points escomptés, laissez-moi passer. Alors, et c'est le gars avec sa 406 qui est devant. Ah bah oui, c'est ça, c'est le gars avec sa 406 qui est devant. Laisse passer la 306, merci. Ah bah là c'est l'Alfa Romeo qui est dehors. Oh Romeo, Romeo. Pourquoi es-tu Romeo? Comme dirait une certaine Juliette. Et là, je vais arriver à être premier en faisant le con. Apprendre à conduire, oui, c'est une bonne idée. Allez, casse-toi là, avec ta 406 de merde. Aïe, et voilà, premier. Bon, on va se la refaire. Allez, on reprend le 16. Je suis sûr que c'est faisable en plus, le 16. Ah, il fait de plus en plus jour. Tokyo de ichiban okina club e yōzo. Kochira wa Tokyo 102 FM desu. Okay, ja kondo wa omoikkiri haireto ikimashō. Dominator Overdrive. Dodo. OK, change totalement de registre dans les radios. Ça fait écouter un petit peu le panel de musique qu'il y a. Il est pas passé loin là. Le nez, je pense qu'il a... Il a fait quelques petites étincelles quand même. Après
Il faut pas qu'il m'esquinte ma trajectoire. On est haut. Aïe, trop tôt. Assez punitif le jeu. Forcément, hein, c'est un jeu qui se veut être une simulation. Il n'en est pas une, mais tout s'en rapproche. Aïe, putain, fallait que je me bouffe le petit truc là. D'accord, je sais pas d'où ça sort le la perte de kudos, mais s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Sans doute un connard qui vient de me taper dedans. Aïe, là, je sais d'où ça sort, c'est moi qui ai pris le mur. Regardez-moi le Japon comme il était dans les années 2000. Au début des années 2000. Ça a peut-être changé depuis. Il était réellement comme ça dans les années 2000. Fais pas des frayeurs comme ça, toi. Putain, le gars, il se bouffe le mur, quoi. Il est tout seul, il se bouffe le mur. Joli. Putain, c'est le dernier tour, fais pas le con. Et merde. Quatrième. Au moins finir deuxième. Assurer cette place, si tu le doubles pas, assurer cette place. Même si je pense que premier, c'est faisable. Putain, toujours l'autre avec sa 406. Non, c'est pas faisable. Deuxième, ça me va. Ça me va. Contre, faut que je finisse premier automatiquement ici. Laissez-moi passer, laissez-moi passer, conduire en toute liberté, mer aussi. Putain, ça glisse trop, pluie de merde. Allez, putain, l'autre avec sa 406 qui me fout dedans.
traînes pas comme ça, toi. Bon, si j'y arrive pas, je reviendrai avec une voiture plus puissante. Hein. Aïe. Ça fait plus être bon. J'ai vu un truc qui est même pas bien centré. Laisse-moi avec ta 206 de merde là. Ok, c'est Y pour regarder derrière. T'as 406, j'ai dit 206, c'est ça. C'est 406 de merde là. Putain, le coup de frein qui me fout dedans. Et frein, pas frein main, frein. C'est un peu gras, on va dire. J'espère que j'ai assez de kudos aussi. Vu les pénalités que j'ai, j'espère. On va voir ça tout de suite. Le gars ne me dépasse pas ici, non c'est bon. J'ai vu qu'il y avait une petite bande noire sur le côté. Le cap Philippe. C'est sur la gauche. points, on est premier ex aequo, mais ça devrait passer. On dépasse largement en skill, yes. Voilà, ça c'est fait. Ah, nous c'est une new slot de garage, cool. Hop, ça c'est bon. Voilà, ça sert à quelque chose de faire les spéciales. Alors là, il y a quoi? Il n'y a pas de spécial, chapitre 5. Ah, il y avait des trucs qu'on n'avait pas réussi à faire ici. En spécial en plus. Sans spécial, ben on va essayer. Et une spéciale de fête aussi. 110 kudos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mesurez-vous un seul adversaire en une course, donnez-leur une longueur d'avance si vous osez. Ouais. 206. Comment ça, la 306 est moins puissante que la 206? Elle a plus de punch. Ok. Elle a plus de punch pourtant. Il sait pas pourquoi. Oh là là. Peut-être pour ça aussi. Il flotte. Et pourtant. Vous noterez la radio qui change de langue. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences à Londres qu'à Tokyo et à San Francisco. Le truc est le bienvenu. Ça fait changer de musique en fonction. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ah putain.
Ah, je ne connais pas ce circuit. De nuit, c'est pas évident, trop tôt. Je savais que ça tournait. Putain, le gars, il a 3 plombes d'avance. Quoi. Bah, je vais reprendre ma 206 après. Hein. Si elle est aussi puissante qu'ils le disent. Ah ouais, en plus il flotte quoi. Oh. Gravier. Ça glisse. Ben. Je crois que là c'est archi noir. Il va me foutre un tour dans la gueule, c'est tout ce qu'il va me faire. Améliorer pourtant. Après j'essaye avec la 206. C'est bizarre que la 206 soit plus puissante que la 306. Ah j'y ai un petit peu trop de frein main. Un petit peu trop tôt. Là aussi, boum boum boum. Et ça fait bim bam boum. Tant que ça. Ouais, j'essaye avec la 206 et puis après je reviendrai mais avec des voitures plus puissantes quoi. Parce que là c'est un truc horrible. De jour à Londres ce serait peut-être mieux aussi. Les rues étroites de nuit c'est pas évident. Later on with his smooth groove show, playing the finest in smooth jazz, funk, and soul. That's tonight at 9. There's a bullet in the gun. There's a fire in your heart. Planet Perfecto, bullet in the gun. Available now. Next up is a new track from Mitchell Quartet, entitled... Je suis même pas sûr qu'avec la 206 je le fais. Eh ben c'est pas grave. Hein. On reviendra avec une voiture plus puissante. Parce que c'est bizarre que la 306 soit moins puissante que la 206. La 306 est peut-être un chouïa plus lourde, mais elle est censée être plus puissante. Parce que plus lourde. La meilleure motorisation est censée être plus. Ne le fais pas.
Ok, bon, après j'essaye l'autre et puis on verra bien. 5-5. Ok, 1-0-6. meilleur temps. Je tenterai ça une autre fois. Et oui. Par contre, celle-là, Championship, on avait fail. Ah ouais, d'accord. Non, je la fais pas cette course. Je comprends pourquoi je l'ai cramé. Ok, nouveau chapitre. Il y a quoi d'autre? Ah ben c'était là qu'on était, ok. Par contre c'est bizarre que la 206 soit plus puissante que la 306. On va reprendre la 206 hein. Si vraiment elle est plus puissante. Merde, j'ai dit que j'allais faire un tour aussi sur dans les options. C'est des radio players. Kimura Yoko no Western Pop Show. Club Zone. Ken ga navigate shimasu. On change un petit peu de registre musical. Hop. Un compte contre la montre, essayez de battre le temps imparti. Votre average de 8 laps est enregistré le temps que vous avez. Ok, 32-01. On va mettre à 31-5. Et voir si ça passe. London de nuit, ok. De nuit parce qu'il fait nuit. Ça prend l'horloge interne de la console. Et tout à l'heure on a pu voir le soleil se lever progressivement sur Tokyo. Now I've got a bit of drum and bass for you. This was voted number 4 on top tunes last week. It's New Dawn's Heartland. Ah, c'est pas là. La flèche elle indiquait dans le sens. Les erreurs à la con que je fais. Je vis le dérapage. Allez, d'accord, c'est que ça fait un petit F. Hein. 31-500, c'est faisable. On va tenir sur 5 tours. Sur 8 tours, désolé. C'est faisable. Tout en essayant de gagner quelques kudos. On voit le fantôme. Honnêtement, il y en a qui disent que la distance d'affichage du jeu est dégueulasse. J'ai jamais trouvé de si dégueulasse que ça. Je manque un petit peu d'anti-aliasing, c'est sûr. Mais vu la quantité de détails affichés, on va pas se plaindre.
31 500, à l'aise. J'aurais pu même mettre à 30, j'hésitais. J'ai hésité à le mettre à 30. En même temps, ce tour-là, il va peut-être plomber un peu. Ouais, il plombe. C'est plutôt pas mal. Enfin, si je refais la même, 31-50, c'est mort quoi. Il fait 18 degrés. Ah, coming up next on the underground is Craig Trent with his show National Anthems, so stay tuned for that one. Ça m'étonnerait qu'il fasse 18 degrés actuellement à Londres. Et bon, lors des enregistrements, c'était 18. Ça fait style vraie radio en tout cas. Ouais, c'est bon, ça passe. Heureusement que j'ai pas mis 30. Parce que pour 69 centièmes, ça passait pas. À San Francisco, il fait jour. À Londres, il fait nuit. À Tokyo, il fait jour. Voilà. Heure réelle. Peut-être plus ou moins une heure près parce qu'il y a pas les... Il n'y a pas la prise en compte de l'heure d'hiver. Time is run. Une course contre la montre, encore plus rapide. Vous avez 7 minutes 37 pour tenter de terminer deux courses. 7 minutes 37. On va mettre à 5 à 7. 7-20, soyons fous. Ok. Encore Londres. Si tu veux. Allez, accélère. Spirit, the premier sports restaurant and entertainment venue. The Sports Cafe. State-of-the-art audio-visual, 120 TV screens, games, bars, and a great restaurant. The Sports Cafe. Never www.thesportscafe.com. Okay. On passe devant Buckingham, là. C'est le quartier de Saint-James Park ou... Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Le rond-point de Buckingham Palace. Et on a pu le voir. Et on rentre pas dans le parc. Oh oui, je suis con, ouais. Vraiment. Faut finir deux courses, hein. Faut se concentrer pour finir deux courses dans le temps imparti. Attention, ralentissement, c'est ça les ralentissements qu'ils disent. Thank you.
4 tours quand même. Tranquille le rond-point. Salut Chris, comment vas-tu? Bah un pick-up si tu vas bien. Petite soirée détente sur Metropolis Street Racer, tranquille. Ah putain, tourne! Ah l'enculé avec sa 406 de merde! Elle est longue cette ligne droite, mais on a une belle vue après sur Buckingham. Bon, de nuit, hein, la reine d'Angleterre apparemment est en train de dormir déjà. Hein. Rien n'est éclairé. Contrairement à la ville qui brille de mille au fond. Alors là, attention virage. Là, c'était obligé, mais je perds moins de temps déjà. Alors après, il me restera 2 minutes pour finir quoi hein. Oh merde. Oh, Ah non, mais ce soir, j'ai pas bien. Allez, boum. Il y a une autre course après. Non, parce que j'ai peur là. Si j'ai moins de 2 minutes pour finir l'autre course, je ne sais pas comment il y faire. Et Londres de nuit, c'est horrible. Tokyo à la limite, mais bon, c'est horrible. Ah oui, ok, 4 laps à Tokyo en plus, 2 jours. GTI, sans doute Rui DX. Et bienvenue sur ce stream en tout cas. Ah oui, mais c'est vraiment une petite boucle. Ah, ça peut le faire. Hein. Kudasai. Ça peut le faire. 21 secondes de tour, ça peut le faire, honnêtement. Tout
Tokyo tel que c'était dans les années 2000, au début des années 2000. Très très bien modélisé quand même. Tiens, il y avait un chantier, j'ai vu la grue là. Ouais, ils ont même été jusqu'à faire ça quoi. Juste avant ce virage, on voit la grue sur l'autre immeuble. Putain, je vais pas y arriver. Et comment vas-tu, Rui? Après, c'est pas précisé si c'est une GTX. Ah, j'ai gagné un nouveau Joker. C'est pas précisé si c'est une GTI. Elle est là. Non, apparemment, c'est la 206 classique. Yep. Doubler les voitures. 14 voitures en 5 minutes. 18, ça devrait passer. Ah, San Francisco, deux jours dans la brume. Sur la partie la plus large de San Francisco. Donc là, c'est normal quand la distance d'affichage est pourrie, hein. Forcément, c'est de la brume. Vous noterez les musiques assez variées. Bagnole sur la piste, okay. 4 sans me tromper. Ah putain, j'ai tourné beaucoup trop tôt là. C'est joli en tout cas. En tout cas, si vous avez des questions sur la Dreamcast, sur le jeu, n'hésitez pas. Sachant que la Dreamcast, faut savoir qu'on y joue encore online. Ouais, ouais, en 2021, avec les modems 33K, ceux d'époque, sans rien changer. C'est même super, Quake 3, PSO. Et d'autres jeux. Voir la liste des jeux compatibles, hein, Dreamcast Live.
Il y a NBA 2K, NBA 2K 2 aussi qui sont jouables online. On a fait une saison il n'y a pas longtemps avec des Seman. 82 matchs, truc de malade. Et on s'est pas qualifié pour les playoffs. Ouais, c'est faisable, on fait 9-18. Ah putain, c'est faisable parce que si je tourne au bon moment. Et quand je tourne pas au bon moment, je sais pas. Allez, vas-y, accélère. Tourne, tourne, tourne. Enjoying a mini heat wave at the moment. Temperatures have been in the 90s for the last couple of days and look set to continue for at least the next 48 hours. Humidity is also high and the air quality is generally good. Winds are light to moderate southerly. That's it for now. Now, her first album went platinum and this one looks just as good. Ah, ça, c'est des virages que j'aime pas trop, mais qui passent quand même. Accélère! Je peux pas, je suis à fond. Gâchette analogique. Les plus précises que je connaisse quand même. Technologie sans frottement. C'était du lourd à l'époque. Pareil pour le stick, hein, technologie sans frottement. Bien qu'il soit un peu moins précis maintenant avec les sticks de l'époque. Avec les sticks actuels plutôt. C'était des sticks relativement précis. J'aurais peut-être pu en faire 15, mais 18 avec le nombre d'accidents que j'ai fait. Voilà la refaire. Parce que là c'est... Là. Allez, on la refait mais moins crispé. On va en mettre 15, on en est sûr. Si on en double plus, c'est du bonus. Voilà. Allez, go. Next week on Groove Party, we've got a very special K-Vibe exclusive for you. Soul diva Dina Joseph will be here in the studio with me and we'll be singing live some of the tracks from her last album, Broken Moments. I just can't wait. Don't miss it. Now, her first album went platinum and this one looks just as good. This is Gabrielle Nelson. You can love me. Là on peut le faire, là on aurait pu le faire les 18 je pense. Maintenant que je sais comment tourner au fond. Elle est belle en plus ta coque.
forcément. Popular Arena, ouais, je l'ai aussi. J'avais acheté en version regravée avec un boîtier CD, mais avec la jaquette imprimée et tout. J'y ai pas encore joué. J'ai pas encore touché. Juste pour voir s'il fonctionnait, mais c'est tout. Et forcément, c'est un jeu que je voudrais faire aussi. Et par contre, il y a un truc que j'ai essayé de faire pour DC Man tout à l'heure, c'est graver des jeux Atomis Wave en format CDI et j'ai pas réussi. Le jungler, il me dit il y a un problème de toc. Je sais pas pourquoi il y a un problème de toc. Pas non plus. Ouais, faudrait que je demande au forum, hein, ce community, comment ils ont réussi à graver les heures. Personnellement, je suis pas emmerdé, j'ai un GDMU, mais là c'est pour des semaines. This is Paula Johnson bringing you traffic and travel in association with Atlas Travel Agency. Things are quite busy on the road, especially in the square and Embarcadero Freeway near China Basin. The early accident on the Bay Bridge is now being cleared and traffic is moving freely again, although Highway 80 is still slow up to Oakland. That's it for now. More traffic and travel in an hour. Okay, now, I've had an email from Sheena. She's at work at the moment, but she'd like us to play the next track for all the guys in the office and her boyfriend. Peut-être qu'après, c'est ma version de Jungler qui merde. J'ai pas réussi à installer la version 6, du coup, j'ai dû réinstaller la version 4. Je sais pas pourquoi mon Jungler en version 6, il se lance. Compte à rebours, forcément, c'est la version gratuite. Compte à rebours, j'appuie sur OK, il se ferme. Jungler a rencontré un problème. Je comprends pas pourquoi. Ça fonctionnait très bien avant, en version 6. Mais... Putain, mais il y a que ça sur les radios, et des... On va mettre un CD là. Si on tombe toujours sur les mêmes chansons. Je me rappelais plus que sur les radios il y avait si peu de musique. C'est en fonction des heures de la télé. Des heures de la télé. Oula. Des heures. Où on joue, peut-être, je sais pas. Ah, c'est bon, j'ai réussi. New Rice. Oh, j'ai eu du skill là. 775-2. Tête à tête. Oh putain. C'est bizarre que la 206 elle soit plus puissante que la 306 et aussi puissante que la 406 quoi. Je trouve ça trop zarbe. Ah, il commence à faire nuit sur San Francisco. Le soleil se couche. Regardez-moi ces belles colorimétries. Ah putain, en plus on est sur un circuit ovale.
va pas y arriver. Rien que parce que ça burn au début et je sais pas comment on burn pas dans ce jeu. Peut-être un départ comme si le frein c'était l'embrayage. Ah c'est bon, en fait on peut peut-être le rattraper. J'ai une chance. Ouais non, je le rattraperai pas. Non c'est pas grave, je vais pas m'attarder sur les courses comme ça. On reviendra quand j'aurai une voiture plus puissante. One on one. .206 versus .206. Ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable, en théorie. En pratique, je sais pas. On ne peut pas se servir du frein comme embrayage. Dès qu'on appuie un petit peu sur le frein, ça bloque. Parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas lancé, donc ça bloque. Oh là là. La merde Londres de nuit, franchement, la merde. C'est très joli visuellement parlant, parce que c'est éclairé de partout. Mais c'est de la merde. La grosse daube. C'est trop étroit pour le faire de nuit. J'aimerais bien jouer à PGR aussi, voir ce que ça donne. Par contre, j'ai pas de Xbox.
Street Racer, TC, course de rue, 5 autres voitures, ok. Et on va tenter la troisième place. Et Tokyo, Asakusa. Tokyo, Asakusa, il me semble que c'est assez large, Asakusa. Il y a des passages étroits quand même. C'est un petit mix en fait entre large et étroit. Ah oui, c'est le quartier avec le petit tunnel. D'aller au Japon. J'ai trop envie d'aller au Japon. Je reviens avec le full set Dreamcast, japonais bien sûr. Troisième, ouais, c'est bon, c'est correct. C'est ce que j'ai dit. C'est sur quoi j'avais parié. Si j'arrive à faire deuxième, tant mieux. Troisième place, ça me convient. Sur quatre tours. Ah, il y a moyen, hein, y a moyen que j'en redouble. Hein. Je l'ai vu au fond de l'écran. Avec sa voiture bleue. Voilà. Ah. En fait, il y a peut-être pas moyen que je le double. Si je me fais doubler là, pas bon. Au moins finir troisième, merci. Cassez-vous! Poussez-moi, excusez-vous! Il va bien conduire ce soir. En temps normal, j'aurais peut-être pu finir deuxième, mais là. Vu comment j'ai du mal ce soir. Vous pouvez le voir, je pense. Ah, ça commence à bien jouer. Le dernier tour. Dernier tour, ouais, ça commence à bien jouer. Est-ce que je vais le finir le dernier tour normalement ou pas? Petit coup de frein main pour gagner le Q2, je m'en fous, je suis troisième.
Faut attendre le dernier tour pour que j'ai du ski, bébé. J'adore. Je finirai pas deuxième, mais... Ah, ils sont deux derrière en même temps. Trois derrière. Il y a tout le monde. Vous m'aurez pas. Il y avait tout le monde. Ah, que de le. En train de se bousiller les carrosseries. Voilà. J'avais parié sur la troisième place, c'est bon. New Joker, oh putain, il va falloir en cramer des Jokers après. Il n'y a pas de spécial. Ah si, il y a un spécial. Cinquième. On va se faire encore un troisième place. Ça doit le faire. Shibuya. Il me semble que c'est assez étroit à Shibuya. Il y a plus de routes assez étroites. Brume. Ok. Yamanote Broadcasting. Deva, tsugi wa senshuu yori chotto sagatchaimashita ga, mada namae ni kentai no Revelation no Sold Out wo dozo. Allez, petite 256, j'y crois pas en toi. Que je peux mieux finir que tout à l'heure. Ou pas. Avant-dernier tour. Encore, en même temps j'étais très bien positionné. Il y a tout le monde qui se suit. Mais allez. Dernier tour, j'espère que je finirai au moins troisième. Parce que là, c'est pas gagné. Où ça passe? Où ça passe? J'aime quand ça passe. Merci de repasser derrière. Oui. Ah, pas grand chose près. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ouais, pas grand chose. Ça se joue à quelques centièmes près. Street Race. Course de rue, trois autres véhicules. Hmm.
va dire deuxième. San Francisco. Montée-descente, non? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est plat. C'est un côté plat. Ah non, j'ai une petite descente, mais bon. La montée a l'air d'être moins raide. Tranquille, on va y aller. Un peu de frein main. Si l'autre n'est pas là pour me faire chier, ça passe. Sans freiner, que frein main. Un peu de frein main, tranquille. J'ai vraiment des petits coups. Bon, là, je freine parce que forcément l'autre m'a délogé de ma trajectoire. Un petit peu plus sur le frein main. Tranquille. Petit tour qui me reste. Voilà, tranquille. Vraiment tranquille. Chapitre complet, ok. Championship. Ouais, mais la GTR, je l'ai pas. Et en plus, Londres entre 8h et 12h, d'accord. Mais la GTR, il me semble pas que je l'ai. Donc ça, en fait, c'est une course à refaire plus tard. Je l'ai pas. Hein. Ah non, je l'ai pas. Donc c'est bien une course à faire plus tard. C'est pas grave, ça me va. J'ai quand même balancé un joker dessus. Continue. Bien, tu dois faire un. 5 autres voitures en 3 courses. Ouais. Ah merde, j'ai dit que je mettais un joker dessus. Ben. Minuit 6 à Londres. You're listening to London's greatest dance station, 100.4 FM. The Underground. Having a rough ride? You need a rough guide. London, Tokyo, San Francisco, all the world's great cities. Wherever you are on planet Earth, stay on the inside track with a rough guide. From bookstores and at roughguides.com.
All right, this next track is Atom Head and Push. Ouais, bah j'aurais peut-être pas dû parier sur 24. Hein. Ça risque d'être balèze. Putain, la pub. J'avais oublié à quel point il y avait de la pub ici. Notamment pour une célèbre enseigne de fast-food qui est bien dégueulasse. Allez, boum! Ah oh, bah c'est raté. Ah. Mais oui, mais c'est l'écran géant de je sais plus quoi, circus de la place. Merde, je pensais que c'était là le virage. Je suis pas concentré. Piccadilly Circus. Ouais, c'est ça. En tout cas, si c'est pas ça, ça y ressemble. Un écran incurvé. Qui a sur la place. Ah putain de merde. Ah, je suis pas en forme ce soir. Ah c'est ça, c'est Piccadilly Circus. C'est bien ça. Coming up next on the underground is Craig Trent with his show National Anthems. So stay tuned for that one. Donc il y a le quartier de Big Ben, de Piccadilly Circus. Ben non, mais c'est pas le quartier de Big Ben. Non, il n'y a pas de Big Ben. Big Ben, Piccadilly Circus et. Et Buckingham Palace. Voilà les quartiers. Les quartiers reproduits dans le jeu. Et je viens de me faire laminer. Trop cool. Un point. Il aurait, non, il m'en aurait fallu 6. Minimum. Bon, on va quand même finir la race. Hein. Tranquillement. Tokyo. Asakusa. 9h11. AM. Oh, déjà. Non, mais j'avance un peu. ください。全てのプログラムのインフォメーションとか、今 JMix ではどんなことをやっているのかとか、さらには
DJ のプロフィールまでチェックできるんです。しかもオンラインでショッピングまでできるなんて、もうチェックするしかないです。 Check it out。 インチュイションのステイラフマインをお届けしましょう。Merci Aurel pour ton raid. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Bandicoot enflammé, vive les Bandicoot enflammés. C'est pas la même console. Mais vive les Bandicoot enflammés. Et salut Deck. Comment allez-vous tous? C'est un jeu qui ne t'attire pas, Chris. Ouais. Et bonsoir, Antonin. Et bienvenue sur ce stream. Et merci pour ton raid, forcément, Aurel. Bah, ça va bien. Bon, moins bien sur... sur le jeu, j'ai un petit peu du mal ce soir, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai un petit peu du mal à faire les courses. Mais sinon ça va bien. Ouais, j'ai du mal avec la 206. Ok Deck, merci d'être passé en tout cas. Et bonne soirée, bonne nuit. Repose-toi bien. Reviens-nous en forme. Et des bisous. Donc, je suis sur Metropolis Street Racer, le jeu que je parlais à Aurel la dernière fois quand il était en live. Connu aussi sous le nom de PGR Project Gotham Racing sur Xbox. Et vous pouvez voir, le jeu n'est pas dégueulasse. Et ça reproduit fidèlement Londres, Tokyo et San Francisco pour la monture Dreamcast. Fidèlement tel que c'était à l'époque de la création du jeu, donc 99-2000 à peu près. Tu te souviens, voilà. Voilà, t'as une aperçu du jeu, voilà, c'est la monture Dreamcast. Et Project Gotham Racing est encore plus ambitieux vu qu'il rajoute des quartiers de deux autres villes, il me semble. En plus de Londres, Tokyo et San Francisco. Voilà. Tout à l'heure, on était sur Piccadilly Circus en Angleterre. Avec l'écran incurvé. Qui fait de la pub pour une célèbre marque de fast-food que je tairai le nom. T'as des souvenirs de ouf avec Yumi dans ce quartier. Ouais. Bah pour toi, j'irai en mode de chill juste après. Je te montre un petit peu le quartier tel qu'il est. J'ai même peut-être changé l'heure, relancer le jeu et changer l'heure histoire de l'avoir un jour. Parce que là, il fait tout nuit, donc... Parce que ça prend l'horloge interne de la console pour le jour et la nuit. Donc là, il fait jour au Japon, il est 9h15 à peu près. À moins que tu veuilles le voir de nuit, ouais. C'est comme tu veux. Soit je relance et...
c'est brumeux. Ouais, après il y a plus ou moins de brume aussi, ouais, suivant les courses, mais c'est vrai qu'après avec le taux de détail, ils ont pas mis beaucoup d'anti-aliasing. Ah ouais, j'ai une autre course à San Francisco. Okay. Donc là, San Francisco, c'est le soir. Le soleil se couche. Du coup, il fait sombre. Le soleil est bas, on le voit quasiment plus. Tout à l'heure, on voyait les nuages colorés. Là, on voit plus rien. Voilà, ouais, je te laisse choisir, deux jours ou deux nuits. Des zombies. Deux jours, ok. Merci Antonin pour ton follow, ça fait plaisir. Merci infiniment. Ok, donc je relance la console après cette course. Je la finis même pas. Je finis même pas la troisième. Et je relance. Mais si, merci, merci quand même. De rien, merci. Je sais que ça coûte pas grand chose, un peu. Merci quand même. Alors l'ambiance musicale, je sais pas pourquoi, mais ça change pas énormément alors que pourtant il y a énormément de musique dans le jeu. On retombe toujours sur les mêmes musiques. Je sais pas pourquoi. Quand je suis repassé pourtant sur le Kenwood Autoradio Simulator. Et ça retombe toujours sur les mêmes. Étant un ancien fidèle ami de Aurel. Ah ouais. Ok. Yop, je finis même pas la course, j'abandonne. Je fais un abandon. Non mais j'y arrive pas. Ah bah c'est à la fin de toute façon. Donc. Ok, bon, je relance. Merci de relancer la Dreamcast. Yes. Car je suis sur la vraie console. Yep, bon, j'ai un GDMU aussi, ça aide un peu. Mais tous les jeux que j'ai sur la carte mémoire actuellement, je les ai en physique. Ils sont là. Hop, normalement, si je fais ça... ouais, on voit un petit peu trop au-dessus. Voilà la bête. Et voilà la collecte. Que des boîtes bleues. Quasiment que des boîtes bleues. C'est super beau. Et ça merde. Voilà. Il n'y a pas assez de luminosité, donc ça merde. Et voilà. Pour faire simple, j'ai 112 jeux. Et là, forcément, ça a tout décalé. Je recentre. Je sais pas pourquoi ça décale. Avant, ça décalait pas comme ça.
Alors, adjust time. Une bonne collection, c'est cool. Ouais. On va se mettre vers, vers 13h. C'est bon. Comme ça, on a Londres de jour. Tranquille. Et on va aller sur Piccadilly Circus. Ouais, c'est bien ce que je pense. Faut bien que je rogne encore. Merci de me mettre un truc que je puisse rogner quand même. C'est du direct, hein. Yep. Ah, là c'est mieux. Non mais oh, c'est pas un jeu qui va faire ça loin. Merde, j'ai pas sauvegardé. Normalement, il y a les sauvegardes automatiques, j'ai pas sauvegardé. Bah oui, les sauvegardes automatiques, je sais pas pourquoi elles plantent aussi. Merde. Laquelle sur c'était celle-là, il me semble, sur Piccadilly Circus. Il me semble. Ah non, Tokyo Shibuya, merde. Non, mais je sais pas pourquoi ça, les sauvegardes auto elles plantent. Je comprends pas pourquoi. Annuler. Annuler, abandon, oui. C'est pas grave, c'est pas sauvegardé. Ou mieux. Vu que ça a pas sauvegardé, je peux mieux faire. J'ai une sauvegarde quasi complète. On va juste changer le VMI. Comme ça, on pourra directement aller. Merde, qu'est-ce que je fais moi? L'écran en 4 tiers, c'était très bien. Je veux juste passer en HDMI 2. Merci. MSR. Comme ça, normalement, dans les paramètres, je pourrais directement trouver le Piccadilly Circus en débridé. Treize heures 25, très bien. Player, code game, la première. Ça c'est de la bagnole. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était Quick Race. Non, c'était pas...
pas Quick Race que je voulais. Là, il m'attaque. Londres. Merde, c'est lequel le quartier? C'est lequel le quartier de Piccadilly Circus? Je sais plus. Trafalgar, peut-être, il me semble. Dans les longues. Free Road. Westminster. Pourtant, j'étais sûr d'être sur Piccadilly Circus la dernière fois. On va le retrouver. Non, c'était dans l'autre sens, il me semble. Ah, donc c'était peut-être pas Piccadilly Circus alors. Ah bah non. Non, non, c'était pas Piccadilly Circus en fait. C'était ici. Non, non, donc c'était pas Piccadilly. Désolé, Aurel, je pensais trop que c'était Piccadilly Circus. Mais non, c'est pas Piccadilly Circus. Donc là, forcément, je suis dans une zone bridée, mais quasi dézonée. Je sais pas. Westminster, ouais, donc il n'y est pas. J'ai que trois quartiers. J'ai le quartier St. James Park pour Buckingham Palace. Ah bah si, Westminster. Il est là. Il est là, le Westminster. Donc en fait, j'étais pas là. J'étais pas... J'y étais pas tout à l'heure. Aïe, pousse la bagnole. Aïe. Apprendre à conduire, oui. Alors, c'est où par rapport à... Je suis pas loin de Big Ben, non, en plus. Ah, c'est où par rapport à Big Ben? On va faire simple. Si quelqu'un le sait, parce que moi je sais pas, je peux tomber dessus au hasard, mais ouais, voilà. Ah, il y a qu'un rond-point ici. Au pire, faut prendre un Google Map, voir où c'est. C'est ce que je vais faire. Hop. Yep. On va prendre un Google Map. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh putain. Ah non, mais je pensais pas qu'il allait me mettre ma localisation exacte. Cet enculé. Big Ben, c'est où? C'est où Big Ben? on peut rechercher normalement. OMG, ouais. Trop. Alors,
Piccadilly Circus. Ok, Big Ben, c'est vers là. Buckingham Palace. Putain, mais c'est pas loin en plus. Et c'est même pas le même quartier. Comment ça s'écrit Piccadilly? Ah, Piccadilly Circus. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout le même quartier. Big Ben est là, Piccadilly Circus est là. Ouais, donc je suis même pas sûr que ça y est. Hein. Parce que même en prenant Saint James Park, ça pousse pas jusque là. Ouais, donc Big Ben, mais bon, je suis pas sûr de obligé il y est. C'est un jeu qui est quand même assez ambitieux, mais je suis pas sûr. Bon, on va retourner vers Big Ben. Demi-tour. Une bagnole assez puissante. Hein. On the trains, there's a reduced service operating between Clapham Junction and Hounslow. That's because of industrial action and the earlier disruption of the Northern Line safety checks is now over and services are running normally. I'll have more for you in an hour. Et là, normalement, c'est ici qu'il faudrait prendre. Ou juste après, donc non, il n'y est pas. Il n'y est pas sur cette map, en tout cas. Il n'y est pas sur cette map. Ouais, il n'y est pas sur cette map. You need a rough guide. London, Tokyo, San Francisco. On va essayer une autre, mais je garantis rien, franchement, ouais. Je suis désolé, je pensais que ça y était, mais en fait, je pense pas. Maintenant que je le vois, Saint James Park, Long. J'essaye de voir par rapport à la map. Quartier Saint James. Ok. Non, ça monte pas assez haut. J'ai quand même voir, mais ça a pas l'air de monter assez haut. Tu vas juste quitter ce live. Attends, Aurel, quand même. Attends. On va essayer. La façon dont tu regardes tes trois écrans, ça fait au contrôleur aérien. Ouais. Plus sûr quel écran regarder. Allez, boum, on s'en fout. Alors, c'est où par rapport à Buckingham Palace? Non, c'est trop au sud. Donc
Donc là, je suis totalement de l'autre côté, non ? Je sais même pas où je suis. Je sais pas où je suis. Mais je crois pas que ça pousse jusque là-bas. Hein ? Bon. Bonjour la reine d'Angleterre. Avec le drapeau qui défixe. Buckingham Palace, donc je suis ici. Piccadilly Circus. Buckingham Palace. Donc quand on a le Buckingham Palace dans le dos. Donc là c'est ouvert. Normalement c'est la bonne route. Pas sûr qu'on y ait accès, hein, honnêtement. Et non. Non. La map s'arrête ici. Ouais. Donc là, en fait, la première map, c'est vraiment la map qui fait tout ça. Hop, jusqu'aux deux ponts. Celle-là, elle fait vraiment tout ça. Tout ça, voilà. Quasiment. Et Piccadilly Circus, c'est vraiment là. Troisième map, mais troisième map, je sais même pas où c'est en fait. The National Gallery. Mais c'est pas loin de Saint James. The Nation Gallery. Trafalgar Square, il est là. Putain, mais c'est vraiment pas loin de Piccadilly Circus, hein. On va essayer. Mais c'est vraiment pas loin. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Bon, par contre, je sais pas du tout où je suis là. The hottest mix of garage, drum and bass and deep house. This is the underground 100.4 FM. Donc je pensais que c'était là, mais en fait non. Et je suis où là? C'est ça en fait l'inconvénient, c'est que je sais pas où je suis. C'est pas noté ça? Un palais de justice, ça a l'air. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais je crois pas que ça y est. Hein. Non, parce que là, je fais vraiment les bords de la map. Putain, mais il est tout petit ce quartier en fait. Ils ont même pas mis Piccadilly Circus.
Non, non, il est vraiment, vraiment tout petit le quartier là. C'est à côté de Piccadilly Circus, mais ça y va pas. Et si j'essaye de mettre Maps en Earth pour essayer de me repérer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'arrive même pas à me remettre en... à Piccadilly Circus. Et je pense pas que ça y va. Je pense pas que ça le fasse. Dans les environs là. Et je peux pas me mettre en Street View dans... Bah si, parcourir les images Street View. Putain, le bordel. Ah, si. Si. Je reconnais ça. C'est du Street View piéton, c'est... Ah putain. The hottest mix of garage, drum and bass and deep house. This is the Underground 100.4 FM. Ouais, je suis pas loin du Square Saint James, mais quand on regarde Google Maps, en fait, Experience the premier sports restaurant and entertainment venue. The sports cafe with state-of-the-art audio visual, 120 TV screens, games, bars and a great restaurant. The sports cafe where the games never end. Quand on regarde, en fait, le quartier, c'est celui-là en fait. C'est vraiment un morceau de ce quartier-là. Et c'est l'un des plus petits apparemment. Et je crois que je suis par ici en fait. Parce que ce truc, il me dit quelque chose. Donc apparemment il n'y a pas. D'après moi, ça y ressemble. Quand on met Google. Ouais, c'est ça. Avec les statues et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est
York, je sais pas. Peut-être. Avec les mémorials si, sans doute. Colonne du Duke d'Or qui est où? Si, si, c'est exactement ça, ouais. Ah putain, Piccadilly Circus, en fait, c'est au bout de la rue, hein. En fait, je pensais passer devant. À l'origine, je pensais que c'était ça, mais en fait, non. Bah si. On va faire ça avec les... Si, si, c'est la partie de Piccadilly Circus, hein. C'est la partie de Piccadilly Circus. Hein. Je pense que je me suis pas planté en fait tout à l'heure. Yop. Alors. Là, ok, on est sur les places des statues. Là, il y a la grande route. Yop. Là, il y a la petite. Qui va vers... le square de Saint-James, ici, si je tourne ici. Là, il y a la petite rue qui longe le square Saint-James, et c'est Piccadilly Circus, donc c'est bien ça. Je me suis pas planté, c'est bien ça, Piccadilly Circus. C'est bien ça. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout à fait ça. Putain, ils ont même été jusqu'à rajouter des oiseaux, quoi. Et c'est bien l'écran géant de... incurvé qu'il y a là. Non, là, c'est plus des panneaux publicitaires. Re-Aurel, on a trouvé, hein. Ah, tu te faisais à manger. On a trouvé, et c'était bien le premier truc que je disais, que c'était Piccadilly Circus. Là, on y est. Voilà. L'écran, la fontaine, tout y est. Comme c'était dans les années 2000, au tout début des années 2000. Voilà. Avec le métro... Et c'est bien ça. C'est bien là. Et c'était bien là où je disais au tout début. Excellent, bah ouais. Voilà. Je suis à l'arrêt, il y a du tearing. C'est pas du tearing, c'est un problème de texture, je pense. Et ton vendeur de sacs de voyage à 60 pounds, je sais pas. Ah, il y a un Virgin Megastore. En tout cas, à l'époque, il était là, le Virgin Megastore. Je sais pas, il y a peut-être l'enseigne. Hein. Qui sait. Si tu sais exactement où est-ce qu'il est... Il y était peut-être en 2000, qui sait. Bon, après, on n'a pas accès à tout, mais...
Eh bien, bonne nuit, Antonin. Merci pour ton follow, en tout cas. Merci pour ton soutien d'être passé. Tiens, là, il devait y avoir des travaux, c'est bâché. This is a track from Salford Keys, taken from their last album, and this is the title track, Live Your Life. C'est même bien bâché. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, là, ça devait être en travaux. Il y a même les... C'est dommage que ce soit en pixelisé. Mais en tout cas, bonne nuit. Moi, j'ai pas tardé à arrêter le live aussi. Putain, ça dégoûte. Pourquoi ça sauvegarde pas en automatique? En tout cas, maintenant, là, vous pouvez voir autre chose dans les musiques aussi. C'est ultra varié. Voilà, c'est beau la pub quand même, hein. Voilà. Mais il y a plein de pubs, ouais, c'est un truc de barge. Donc il y a bien Piccadilly Circus dans le jeu. Une petite partie, mais il y a. Un petit peu de pub pour Kanou. Et il y a énormément de... Il me semble qu'on peut faire nos propres CD aussi. Il me semble. Je sais plus comment on fait. Play pause stop, gna 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 gna, volume down, volume up. Je sais plus comment on fait. Ah, create custom CD. Voilà la liste. La liste des sons. Du dance, du rock, du jazz. Driving Song, ça reste assez varié. Hein. Merde, que j'ai foutu. Ah, on peut pas les écouter. On peut pas les écouter. Ah si. Ah, ça reste assez varié. Hein. Comme quoi le jeu est vraiment complet jusqu'à dans sa playlist de lecture de musique. On a pour tous les goûts. J'aime bien les sons qu'il y a dessus. Voilà. Je
Sur ce, je vais voir qui je peux raid. Yop. Alors, il y a qui on va virer. Yop. Il y a qui en ce moment qui live? Oh là là, il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Du Skyrim, du Okami, du rétro, de la musique, du Yakuza 0. C'est comme vous voulez. Rétro Prince of Persia apparemment. Ouais, c'est ça, c'est du Prince of Persia. Choisir pour vous. Allez, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le raid, on va aller voir Jay. Mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Yop. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live. Merci au raid pour ton raid. Merci Antonin pour ton follow. On se retrouve demain pour essayer de cramer les armes dans FF7 et après-demain pour un petit event rétro dont je ferai de la Dreamcast et je commencerai Sky of Arcadia dans sa version un peu spéciale. Vous verrez ça vendredi de 22h à minuit. Allez, salut tout le monde! Et des bisous.